Les pièces noires qu'il y a là, c'est les appuis de l'étanchéité de la porte. Dessus, les pièces rouges, c'est le rail où va rouler la porte. Oui, le chantier se déroule dans très bonnes conditions, grâce à la qualité en fait, de tous les intervenants, le maître d'ouvrage, les techniciens et les entreprises. Remarquable. On avait intégré toutes les contraintes. Hein. Il n'y a pas de surprise pour nous. Hein. Il faut que le chantier se déroule. À la sécurité sur ces chantiers-là, le problème majeur, c'est la coactivité dans un espace restreint. Avec beaucoup de manutention de charges lourdes et puis la proximité des riverains et touristes. On est dans une période où on a une forte arrivée de touristes, évidemment très curieux de voir un chantier de cette taille. Les entreprises qui sont sur place, Dieu merci, jouent bien le jeu, elles gèrent au quotidien les risques rencontrés, avec une attention particulière à tout ce qui est chute de hauteur, chute d'objets, manutention de grues et pas de travaux en surélévation les uns par rapport aux autres. Ce chantier-là est un chantier qui est particulièrement bien géré par l'entreprise mandataire. À aujourd'hui, on n'a pas d'accident à déplorer, pas même d'incident qui aurait pu avoir des conséquences graves.
maintenance des chillets. Je suis chargé de la maîtrise d'œuvre, suivi des travaux, de tout ce qui est lié sur ce chantier-là, donc le port de la flotte. J'interviens aussi sur le chantier du Boutillon. Et sur les autres chantiers sur le continent, je suis sur Étré Angoulin et Port des Bains. Le travail, c'est de suivre l'avancement des travaux, vérifier, valider avec l'entreprise la bonne réalisation et prendre, si besoin, les décisions pour faire évoluer le projet, pour adapter. C'est un projet très difficile, oui, pour deux raisons. Une contrainte dans le temps, avec la fermeture du port à la navigation du 15 septembre au 15 juin, qui permet de travailler au sec, et le fait de travailler dans un centre-ville, pour les entreprises et pour tout ce qui est les espaces, pour les installations de chantier, c'est assez compliqué à gérer. On a tout habillé en pierre comme on a fait sur le Molest. Ils ont remis un parement en pierre jusqu'au béton pour refaire le bout du moule. À une période du chantier, tout était déconstruit jusqu'à la coulée verte là, sur les anciennes pierres du moule. C'est un très beau chantier qui avance bien et on va tenir les délais pour l'ouverture du port à la navigation. La chance de travailler avec de bonnes entreprises qui réagissent très bien dès qu'il y a une petite difficulté, qui savent adapter leur méthodologie. Le béton, il sera noyé. Hein. On sera au niveau de vase, on ne verra pas cette marche en béton, là où il y a les pierres actuellement. Hein. Tout sera à niveau. Pour maintenir les pierres en butée, pour pas qu'elles partent en bas, on fait le rideau de pale-planche avec. Il restera, mais il va être recoupé, hein, on ne le verra pas. Il sera dans la vase, en fait, quand ce sera fini. Donc, on était venu le lendemain pour découvrir l'intérieur ici. On avait presque une température de 40 degrés à l'intérieur. Après dehors, il faisait 10 degrés. Et quand le béton fait sa prise, il chauffe. Il dégage énormément de chaleur. Puis on le ressentait vraiment ici à l'intérieur, vu qu'on est à presque 2 mètres d'épaisseur. Puis au-dessus de nous, on a encore 5 mètres de béton. Là, c'est la vanne de chasse. Donc pour l'instant, elle est fermée. Puis quand ils vont faire leur chasse tous les mois ou tous les 2 mois, il y aura plein d'eau de l'autre côté, ils vont lever la porte, l'eau va venir circuler sous pression dans l'aqueduc. Ici le point bas, le seuil du radier, et là-bas on va dire le terrain naturel, le point bas. Il y a forcément un décalage. Les pièces noires là, elles étaient liées avec les pièces transversales, là, qu'on appelle les gabarits. Donc ça leur permet de caler en fait leur élément, et une fois qu'il est calé, ben, ils les retirent.